Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je serai de venir sur les faits réels du stade 28 septembre pour conclure le point. Alors, Monsieur le Président, concernant les événements du 28 septembre, après toutes les déclarations faites ici, devant votre auguste tribunal, je vais m'adresser au box des accusés qui, d'entre eux, a dit une seule fois que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des ordres pour aller au stade du 28 septembre. À ma connaissance, jusqu'à preuve contraire, non. Ensuite, le deuxième point, de tous les accusés, ceux qui ont d'ailleurs passé évidemment, après leur déclaration, qui a dit devant votre cour que M. Camara est complice? Parce que pour parler de complice, il faut parler de l'auteur. Avec votre permission, évidemment, et je voulais par cette occasion aussi accorder juste quelques minutes s'il y a un seul au box des accusés qu'il vienne, Monsieur le Président, vous dire oui, Monsieur Camara m'a donné des ordres pour aller au stade. Les deux autres personnes qui restent, à ma connaissance, le colonel Blaise Goumont et M. Paul Mansagilavogui, j'ai parfaitement lu leur PV. Aucun n'a parlé de M. Camara parce que en matière de tribunal criminel, seuls les PV qui sont faits, datés et signés devant les instructeurs, les procureurs, c'est ce qui est la voie pour ne pas dire les faits réels de l'inculpé. Je voulais dire simplement que dans le PV du colonel Blaise Goumont, nulle part, il n'a dit que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des instructions pour tel ou tel. Ou je suis complice, je suis en complicité avec M. Camara. Également, M. Paul Massa Guilavogui. D'ailleurs, dans ce PV que j'ai lu particulièrement, ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, c'était l'affaire du camp de Makambo. Ce jeune garçon, dans son PV, il a été clair
qu'il n'était pas à Conakry le jour du 28 septembre. C'est pour vous dire, monsieur le Président, à part ces deux, ajoutez à toutes les autres personnes qui ont passé devant votre auguste tribunal, personne n'a dit que je leur donnais des ordres. À ma connaissance, l'acteur principal, M. Toumba Diakité, et je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé, mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, Monsieur le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a essayé de créer dans l'esprit de la Cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés. Vu le commandant du régiment aide-de-camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrue, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, Monsieur le Président. Et ici, il y a l'officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine. Il y a l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahima Sano. Ça ne tombe pas du ciel, Monsieur le Président, qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Abdoulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre juge tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant de régiment, j'ai juste été aide-de-camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, Monsieur le Président, Monsieur Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Et lors de son passage, je vous le dis, Monsieur le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Car en matière criminelle, ce ne sont pas des hypothèses. Les faits pénaux
ne sont pas basées sur des hypothèses ou des idées, je savais. Ça, c'était au Moyen-Âge. Puisque notre justice, dans sa source, tire ses origines du gréco-latin ou français, à cette époque, Monsieur le Président, c'était le pédantisme. Le pédantisme, je veux le dire, lorsque un magistrat est là ou un avocat, il veut faire savoir, à travers les rhétoriques, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie l'un des éminents magistrats qui est là. Je ne vais pas l'indexer parce que je ne cherche pas. Lorsqu'il se lève, Monsieur le Président, dès que j'entends sa voix, il a la sérénité. Aussi également, vous, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a aussi des avocats de la partie civile, quand ils prennent la parole, ce ne sont pas des gros mots du Moyen-Âge. Alors, je vais vous dire, Monsieur le Président, concernant Monsieur Aboubacar Diakité di Toumba, qu'il veuille bien accepter de vous dire réellement qu'il a joué le rôle de commandant de régiment. Autrement, on ne peut pas aller se prendre 26 éléments. Et plus grave encore, Monsieur le Président, au grade de caporal, dans un centre de recrutement.